pays a chargé avec gang. Et chaque gang gagne un chef. Yo. Mais gagne un chef gang, attention, hein, gagne un chef gang qui est plus dangereux que tout. Chef gang, ça, il a une capacité pour jouer dans l'esprit moun, pour faire rayer moun. Il a une capacité pour diaboliser moun. Et ça, pirate, chef gang, ça, il a une capacité non seulement pour faire passer comme bon moun, mais pour faire passer pour plus bon moun. Moun qui est plus honnête, moun qui est plus sérieux, moun qui est plus crédible. Donc chef gang ça, c'est chef gang qui est plus dangereux, c'est qu'on prend ou qu'on est. M'a parlé de chef gang Biloa. Chef gang Miloa, c'est premier responsable dans la mort président Jovenel Moïse. Deux arguments pour m'appuyer énoncer ça. D'abord, c'est l'idée de capacité mobiliser, mettre des centaines de monde après en bas Jovenel Moïse, qui diabolisait Jovenel Moïse la journée et le soir, là, il prend sac, valise, l'argent, nommé Jovenel Moïse. Chef gang, ça, responsablement Jovenel Moïse, mais argument clé, ni piégé. Jovenel Moïse, lui fait passer comme professeur idéologie, Jovenel Moïse, et lui a un mauvais conseil. Ou encore, lui a un conseil que Jovenel Moïse pourrait gagner maturité idéologique pour être capable d'aborder. C'est chef gang ça qui conseillait Jovenel Moïse pour débourrer avec maladresse vers pays qui l'ennemi États-Unis d'Amérique en parlant de la Russie. Et c'est première cause la mort Jovenel Moïse, c'est pour débrouiller de faire vers la Russie. Et n'a pas songé, jour où assassiné Jovenel Moïse, eh bien, il était tout essayé par ses grands professeurs. Jovenel Moïse est élève là. Professeur, c'est chef gang Miloa, j'étais tout débarqué la caille chef gang Miloa pour te finir avec ça. Mais lui était déjà pour les causes, lui l'a des pieds, nous cherchait nous pas joindre. Chef gang Miloa, parti point éthique et morale, parti politique, parce que lui voyait des militants à faire tentative pour assassiner Père Amos Georges qui est responsable courant éthique et morale dans le parti politique Petit Dessalines. Nous condamnons chef gang de Miloa parce que nous voyons des militants à sacrifier hypothéquer avenir yo, tout court, avenir politique yo, les yo paraît devant la presse nationale et internationale avec tout corps yo, toute figure yo, à faire violence sans que yo pas imaginer qui conséquence ça va gagner pour nous demain. C'est pour ça que nous condamnons chef gang Miloa. Nous condamnons chef gang Miloa parce que lui pas mis monde qui signe pour génocide fait dans la capitale pays à Port-au-Prince. Chef gang Miloa parmi nous qui s'y est pour écraser la capitale Port-au-Prince. Sans être fait là, c'est pas un bagage innocent qui est traite pays à qui la donne. Songez 18 mai, qui est un conseiller présidentiel à Pétionville qui dit, je nous mettons calme, nous mettons posé,
Port-au-Prince parle belle. Port-au-Prince parle une ville moderne. Donc, moi, c'est un bon comploteur pour craser le pays. Et c'est pour ça, courant éthique et moral, parti politique, petite Dessalines, condamné chef gang Milo. Donc, condamné chef gang Milo. Parce que, l'idée lancé mon ordre, si, craser le pays, et moi-même, ma bâtie, ma reconstruire. Mais le pays a crassé. Nous condamnons chef gang Miloa parce que la fait une série de bagailles sans que pièce monde, même mon parti, n'a pas gagné un petit signe de taille. C'est tendez, nous tendez, des raffineries qui ont construit dans le pays. Nous demandons chef gang Miloa pour qu'il dit pays. Raffinerie ça, est-ce que c'est business personnel ou bien est-ce que c'est entreprise, parti politique, petite Dessalines? Ouais. Nous demandons, chef gang Miloa, pour dire pays, côté lui joindre l'argent pour le capable construire raffinerie ça. Est-ce que c'est l'argent poche-lui? Est-ce que c'est l'argent parti politique petite Dessalines, ou bien est-ce que c'est pays à l'Ivan pour un petit grabdaï pour le capable de venir nous demander explication et nous demander ULCC, mettez commission d'enquête en action pour le capable informer la population. Mes amis, il faut que nous ayons un peu de bagaille, nous avons dit, mais nous quittons, reste là pour une autre fois. Qui t'a dit non, non, ça faut me dire que même se dit que. Tout va nous, chef gang, même se dit que chef gang, ça, il a une capacité pour faire raï même mon pao. Il a une capacité, ça vraiment, parce que moi-même, Père Amos Georges, président Jovenel, moi, pas jamais chita avec lui. Pas jamais chita avec lui. Moi, pas jamais chercher chita avec lui. Et pourtant, président Jovenel Moïse, avec Père Amos Georges, gagne même grand-papa. C'est monsieur, un certain monsieur Paul Bruno, qui quittait famille Bruno, et dans l'Ebé et dans Terrier Rouge. Maman, président Jovenel Moïse, c'est mon fille Bruno. Grand Père Amos Georges, c'est une fille Bruno. Et pourtant, sous influence chef gang Moïse là, chef gang Miloa, moi te baille président Moïse, yon bois long kebe. Voilà, merci beaucoup. Courant éthique et moral, parti politique, petite Dessalines, pourtant, ouais, nous en foule. En masse pour nous venir capter. Parole vérité qui fait nègre, fait tintin. Pour commencer, aidez-nous. Bye, bon Dieu, gloire. Pour Monseigneur Pierre-André Dumas, évêque de Miraguana-Savo, qui passait la flamme du feu, mais qui restait bien vivant. La flamme du feu criminel, et malgré tout, je dis à les sous deux pieds, l'a fait service bon Dieu. Dimanche, plutôt samedi, qui était 3 août, Monseigneur l'archevêque de Port-au-Prince, Monseigneur Max Mésidor, le roi, t'a rapidement dit un petit mot. Il dit, Monseigneur Pierre-André Dumas a porté souffrance peuple haïtien. Oui, c'est un grand défenseur droit peuple haïtien, Monseigneur Pierre-André Dumas. Et c'est pour ça qu'il a tué lui, il a passé la flamme du feu. Même pour Dieu, qu'un bel vivant. Et nous voulons dire,
Si bon Dieu est capable de kembe Monseigneur Pierre-André Dumas vivant, la kembe pays d'Haïti vivant tout. Et qu'on est là, qui te ban nou yon ti grâce dans l'histoire, fondation, parti politique, petite Dessalines. Nous, dans l'année 2017, janvier 2017, secrétaire général plateforme petite Dessalines, c'est ça qui existait alors, ça a une élection, perdu élection. Et qu'on y est là, président Jovenel Moïse, qui a gagné l'élection, qui a gagné intention, et nous pouvons le défaire, il y a un cabinet d'ouverture. Qu'on y est là, en dedans, plateforme petite Dessalines, c'est ça qui est alors, président Jovenel Moïse, qui a gagné intention, choisi Père Amos Georges comme yon en ministre. Moi, député, ancien député costumé, qui passe côté de dit, mon père, secrétaire général, Pape Fomlandi, pour me non balé. Je dis, m'occuper, je vais me non, il dit, pas quitte. Effectivement, il déplace balé, le mouvement, moi, secrétaire général, là, qui dit, mon père, nous avons bagay, oui. Il dit, ça, lié, secrétaire général. Vous entendez que vous parlez là, ministre. Je dis, bon, c'est une rumeur, on ne connaît pas. Je dis, bon, de toute façon, que c'est rumeur, que c'est vérité, nous ne pas entrer dans aucun gouvernement qui n'est pas gouvernement petit Dessalines. Nous pouvons faire des outils pas nous, pour nous gommer sous des rayons, pour nous changer le pays. Écoutez, mon père. Et. Juste un moment. Moment-là. Ces plateformes petites Dessalines qui existaient, n'a pas quitté la plateforme là, by Dr Papillon, nous-mêmes, nous pouvons faire parti politique petite Dessalines. PPPD. 3P plus D. Pas de problème, et là même, nous mettons sur travail, nous rédiger documents, et puis nous faire cotisation pour le payer, dans la caille notaire, et la même partie. Politique, petite Dessalines sous pied. Et capable de nous quelques références parmi les gens qui font des parties ça. Bon, il y a moi-même, Amos Georges, il y a M. Gracien Jean, il y a Bureau Odigé, ingénieur Janson Ndi, il y a Ilotal Senatus. Il y a Jean-Silus Aristide, il y a Madame Duroso, il y a docteur, non, plutôt député Jean-Claude Lupin, il y a docteur, oui, Gracia Jean, il y a Frisnel Sinal, il y a Sayo que une cité là, mais c'était Lyon quarantaine. Voilà, on fait un historique ça, parce que, si monsieur qui t'a parlé l'autre jour, il a dit oui, mais moi je suis dans le plateforme petite Dessalines, il n'y a pas de jeune dans le parti politique petite Dessalines. Eh bien, on dit nous que moi-même, c'est membre fondateur parti politique petite Dessalines. Et dans le directoire PATIA, dans le ministère de la Justice, moi signé comme responsable éthique et morale parti politique. Qui te dit non, mes amis? Qui vient pour vous déclarer confiance pour la presse? Je dis, confiance pour la presse, je fais spécialement. Papa Amos Georges, qui est responsable éthique et morale parti politique Petite Dessalines. Nous-mêmes, dans l'opération Libérer Haïti, qui gagne comme chef opposition plurielle là, DG Jean-Tel Joseph, côté que Père Amos Georges
t'a parlé en causé, en causé pays, en causé l'amour, nous te cherchons well, nous te dit Père Amos, nous pensons causer ça, c'est même causé n'a parlé. Son causé côté que nous t'ai parlé de conseil présidentiel illégal, nous t'a parlé de équipe bagaille illégale, et puis Père Amos te chita avec nous, il te dit que n'a essayé bataille ensemble pour nous retirer Haïti. Les nous garder Père Amos qui était en conférence pour la presse là-bas dans PC Hotel. Nous voyons que yon équipe jeune garçon débarqué dans l'hôtel là en chango comme des assassins et a tenté assassiner Père Amos George. C'est chef univers qui fait que jodi a Père Amos George encore vivant. Sous bal ça, nous même dans opération libérer Haïti qui gagnait comme leader de Jean-Pierre Joseph, nous t'ai concerté, nous t'ai dit, nous ne pas quitter Père Amos George Boucol. En dehors de tout support que lui-même lui gagnait dans le parti politique, qui est responsable éthique et morale, nous-mêmes dans l'opération Libéra Haïti, nous avons vraiment rétabli sous côté pour nous faire une réponse légale pour vraiment ça va chier mon projet. Sous base ça, en dehors de tout cabinet d'avocats Père Amos Gayen, plus de deux cabinets lui-même, nous-mêmes dans l'opération Libéré Haïti, dans le bloc avocat, nous comptons avec cabinet Palio pour nous faire plus de 3-4 cabinets d'avocats pour la beauté formelle devant le parquet de la Croix des Bouquets pour tout vagabond qui était tenté de retirer vie Père Amos Georges qui fait ça au livre de fête. Et bien pour nous répondre à la question de la justice, pour nous connaître qui est la justice. Et pour nous parler qui est qui auteur intellectuel crime ça. La tentative d'assassinat son crime. Sous bas ça, la presse, comme Père Amos George et tout le monde parti politique, et vraiment politique, petit Dessalines qui est responsable éthique et morale, qui a déjà parlé, nous-mêmes, dans l'opération Libéré Haïti, nous avons trois bagages à dire. N'a seulement dit pays a faut nous veiller nèg yo nèg qui dit nous pas rentrer dans illégal légalier et bien nèg yo te dit on va pas rentrer dans conseil présidentiel nèg yo rentre nèg yo te dit yo pas font bon bagage yo fait mais jodi a grâce avec mon honnête qui en dans parti politique qui pas jamais fatigué pour faire travailler. Nous avons salué toute presse en général, écrite, audiovisuelle et en ligne. Objectif conférence de presse matin, comme nous sous-tendons, c'est dénoncer d'abord ça nous relève tentative d'assassinat qui fait sous révérend Père Amos, que nous tous avons constaté, il y a une violence verbale et physique. Parce que nous disons vidéo, côté nous avons coup de drapeau d'abbaye, poussade d'abbaye, raché micro d'abbaye. Cap fait. Nous voulons exprimer matin stupéfaction, consternation face à Zach Barbaza. Son Zach minable, son Zach révoltant, qui est intolérable, inacceptable en 2024 en Haïti, après toute bataille qui menait depuis 1986, pour nous joindre, ça nous relie liberté pour nous parler, liberté pour nous dire ça nous sentit, liberté pour nous choisir quand nous voulons. Liberté pour nous défendre le pays contre l'impérialisme, contre le néocolonialisme et contre tout agrément qui est le pays depuis environ 30 à 40 ans, qui sous le qui mettait le peuple dans sa nuit là. Tout bon. Père Amos, c'est un monde qui défend les grandes valeurs de la démocratie en temps. Parti politique qui dit Dessalines. Est-ce que Père Amos jamais prêché violence? Non.
est-ce que Père Amos m'a dégoumé? Non. Père Amos, tout simplement, pour valeur, pour idéologie que le gagne, parti a gagné, pour respecter. Donc, il y a l'égalité en dans parti. Égalité, même chose pour tout le monde. Équité, parité, c'est ça Père Amos m'a dit. C'est ça la défendre. Père Amos a défendu ça, le progressisme. C'est mettre tout ça nous gagne en main nous. Développement économique là, la science, la technologie au service de la population pour nous changer condition mounio. C'est ça Père Amos a défendu. Père Amos a défendu l'insoumission. Parce que faut que nous camper face à toute agression publique.